bulk d'œil. Là, on va envoyer une séance d'eau. J'ai vraiment envie de me faire mal. J'ai vraiment envie d'envoyer. Donc, je vais faire les choses bien. Pour m'accompagner sur cette séance, je vais prendre L-carnitine tranquillement. Et je vais prendre un petit pré-workout. Tu vois, celui-là, c'est pas les meilleurs. Mais je vais en prendre pour faire les choses bien. L-carnitine, deux gélules. Pour bien me dépenser. C'est un effet aussi brûle-graisse. C'est bien. Deux gélules. Parfait. Et pré-workout. C'est pas le meilleur celui-là. C'est pas le meilleur, mais il envoie. Il te réveille quand même. Et j'ai pas besoin d'un truc trop dur. Tu vois que là, c'est le soir là. Donc ça va. Premier exercice qui va agir comme un warm-up pour moi. On va se faire du oiseau halter tranquillement. Sur banc, incliné. On va se faire quelques séries. Histoire de bien préparer son corps au combat et bien chauffer. Parce que c'est important. Donc je vais prendre 6 kilos, 6 kilos suffisant pour faire ça bien. Là je compte pas mes séries. L'idée c'est juste de bien envoyer. Tranquille. Bien chauffé. Comme ça on est bien. Là j'essaie de mettre des bonnes charges là. Je vais essayer, ce sera pas évident, mais on va faire ce qu'on peut. L'oiseau halter, j'essaie de garder mes coudes droits. Parce que j'ai tendance à faire ça, tu vois. Regardez-moi, c'est pas bon. Faut vraiment que je reste bien droit. Pour bien bosser dos, arrière, épaule. C'est important. Allez. Ok. Là, j'ai envoyé du rowing sur banc tranquillement. J'ai pris 20 kilos en biceps avec oiseau halter directement. On va se faire 10 reps. Pour l'instant, c'est 20. Ça compte pas. C'est la première charge de chauffe. Et juste après celle-ci, on va commencer à compter. J'essaie de me mettre assez vite dans le bain. Et puis voilà, charger assez vite. C'est-à-dire que si celle-ci elle passe bien, on va mettre les 30 direct. Après 40, si ça passe. Et voir ce qu'on va faire en rowing. Et pour l'oiseau halter, je pense qu'on va monter. Parce que j'ai vraiment envie de faire un début de séance où je me crame bien. Parce que mon corps, il est comme ça. Même si tu le crames bien au début, après, t'inquiète, il va suivre. Allez, c'est parti. Comme ça, je retire mon haut vite aussi. Allez. 10-10. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça, c'est léger. C'est très léger. Comment ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait, on monte. Oiseau, on va mettre 10 kilos. Et rowing, j'hésite de bien monter. J'hésite. Je pense qu'on va mettre. Plus de 30. Je sais pas combien, mais plus de 30. Là, je suis parti à 10 kilos pour oiseau halter et 34 kilos. Pour le rowing. Là, je suis essoufflé. Prendre les poids, ça me fatigue. 10 kg oiseau halter, 34 kg rowing. Faire ça bien. Le repos part sur du 1-32 minutes. Normalement, ça va le faire. Allez, 34 kg. Là, on rentre dans la séance. Là. On rentre dedans. On rentre vraiment dedans. Une, deux, trois, quatre, cinq.
6, 7, 8, 9, 10. Oh, ok. Ok. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. 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 Je suis mort. Là, on va passer à 44 kilos en rowing. Et on va essayer de monter aussi en oiseau haltère. Ça va pas être évident, ça va faire mal. On va essayer de mettre 12 kilos, passer de 10 à 12 kilos et de 34 à 44 kilos. On va faire ça bien. Là, j'ai changé de banc, je me suis mis vers les gros poids parce que mon premier banc, il était vers des petits poids, tu vois. Et malheureusement, il y a plein de gens qui commencent à venir, commencent à prendre les petits poids pour s'entraîner, s'échauffer. Et comme je ne dérangeais personne, je me suis mis sur le banc des experts, ok. Donc là, on a les 44 kilos qui sont prêts et les 12 kilos. Ça va me faire mal, ça va être chaud, mais on va faire ça bien. Après cette série, je pense qu'on va enlever le pull, hein, le pull My Protein qui est très très bien. Et puis voilà, moi en tout cas, je suis bien, je suis chaud, je suis rentré dans ma séance. Et après ça, si tout se passe bien, on prend les 50. Si tout se passe bien, ça va être chaud, je le sais. Mais on va s'en donner les moyens pour faire les choses bien, parce que c'est important. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer. C'est tout. Envoyer ma série, on va la valider. Valider, compléter, rentrer chez moi. Valider, compléter, rentrer chez moi. Allez. 44, très très dur. Pas sur une charge de merde, clairement. Tu peux envoyer 10 reps. Tu peux. C'est trop dur, 8 répétitions. Mais c'est le début, t'as de la force, t'as pas un pré-workout. Tu peux envoyer, tu vas envoyer. Allez, comment ? Hey. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça vide mon énergie, c'est un délire. Allez, on y va. 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ok. On va passer à 50. 50 en rowing. Et on va monter en oiseau. Là on a 12 kilos. Soit on passe à 14, on est raisonnable. Soit on met 16. Mais je pense que 16 dans ce mouvement là, mes bras ils vont être un peu arqués. Donc je vais prendre 14 kilos. 14, 50. Pour la dernière. Comme ça on sera bien chaud pour rentrer dans cette séance 2 de la meilleure des façons. Là j'ai pris les 50, je les ai mis par terre avec les 14. Je suis prêt. Je souffle un peu. Je sais pas si je mets ma ceinture parce que j'ai une petite ceinture là. Mais on va envoyer. On va envoyer. Et tu vois, il y a des sens où t'es pas dedans, des sens où t'es pas en forme, des sens où t'es fatigué. Où tu peux pas envoyer comme tu veux envoyer. Et d'autres séances, comme là, où t'es en forme, où tu te sens bien. Là je me sens bien. Là je sens que je peux envoyer, je peux me faire plaisir. Au niveau des charges, au niveau des exercices, au niveau de l'intensité, au niveau de la force, je peux me faire plaisir. Et je vais me faire plaisir. Je vais peut-être mettre la ceinture. Peut-être. Donc 50 kg rowing sur banc. Et 14 kg oiseau haltère. On va rester sur du 10-10. On va essayer. Si c'est trop dur, 8-10 ou 8-8. Mais on va faire ça bien. Je continue à me reposer, récupérer. Et puis voilà. Mais il y a une chose qui est différente aussi, hein.
c'est prendre des compléments alimentaires. Je n'en prends pas tout le temps. Toutes mes séances, mes bulk day, là, c'est le seul où je prends de la carnitine, là. Je reprends de la carnitine. Franchement, c'est du bien. Ça fait du bien. Je sais que là, je ne vais pas la sentir tout de suite. Mais ça va être au bout de 5-6 jours. Sous carnitine, là, je vais sentir la différence directe. Franchement, ça va faire du bien. Je pense que le mois prochain, je vais repartir sur des EAA. Comme ça, je ferai ma séance sous EAA, carnitine et peut-être un petit brûleur de graisse. Pour être bien, pour être tranquille. Bon, je pense que je retirerai le haut là, la bâche. Et puis, on va partir pour faire la série la plus lourde de cet atelier d'exercice. Allez. Là, franchement, je me sens bien. Je me sens très bien. Normalement, elle passe bien. En plus, je suis content parce que comme j'ai maigré un peu, j'ai perdu un tour de ceinture, tu vois. Et sinon, on perd pas des tours de taille, on perd des tours de ceinture, des tours de boutons. Ça fait plaisir. C'est vraiment ça mon repère. Allez. On va envoyer correctement. Normalement, on fait ça bien. Normalement. 50 kilos. Moi, je les mange. Oh, moi. Je les mange. Hey. C'est rien. Comment ? Allez. Wow. Les 50. Je crois que les 7, 8, 9, 10, je valide pas les reps sur les 50. J'ai pas fait un mouvement complet. Et les 14, je sais pas si mon mouvement était bien droit. Mais ça me fait du bien. On va dire qu'on a validé partiellement. Mais là au moins ça me met dans un mood de lourd pour la suite. Ça, c'est bien. Là, on a fini le premier atelier d'exercice, on est bien. Je l'ai soit passé sur du tirage vertical ou tirage horizontal. Malheureusement, ces machines-là sont prises pour le moment. Donc, je vais voir ce que je peux faire en attendant. Mais là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai commencé en escalier, ça veut dire que j'ai commencé avec une charge plutôt légère pour finir sur du très lourd pour moi. Ben, là, je me sens bien pour la suite, je me sens focus, je me sens énervé, tu vois. Et ça, c'est bien. Je vais peut-être faire du pullover. Je vais peut-être faire du pullover, on va voir ça. Exercice suivant, pullover, directement, avec la barre. J'aime bien la barre, parce que j'ai une prise bien large. Ça va être ce mouvement-là. Ok. On va se faire 15 répétitions, tranquillement. 2 ou 3 fois en attendant qu'une machine se libère. Et puis voilà. C'est un exercice que je fais pas souvent parce que j'ai pas des très bonnes sensations sur ça, tu vois. Mais c'est un très bon exercice. Il faut juste bien se placer. Et tu ramènes. Ok, 1, 2. 3, 4, non, si j'avoue, j'ai des sensations. 5, 6, ah ouais, non, 7, sensations de fou.
8. 9. 10. 11. Ok. 12. 13. Allez. 14. 15. Ah ouais, non. Je retire ce que j'ai dit, c'est incroyable. J'ai des sensations de fou. Sachant que ça, tu vois ces exos-là, la poulie, malheureusement, il y a tellement de gens qui se jettent sur les poulies que j'ai pas le temps de les faire comme je fais mes séances en fast. Mais là, je le redécouvre ce mouvement, incroyable. J'ai mis 20 kilos, je vais monter, je vais mettre 25. On va continuer. On va continuer. Mais franchement, découverte, enfin, redécouverte. Tu sais qu'il y en a qui le font à la poulie, enfin à la corde, pour avoir un peu plus de d'amplitude vers la fin, c'est bien, mais je préfère le faire en large. Grande préférence pour large. Parce que moi, mon problème, c'est que mon dos n'est pas assez large et pas assez épais, tu vois. Mais je préfère le bosser en largeur. Sur ça. Vas-y, on repart. Hein. On repart. En arrière et on y va. 1 2 3 4, allez, 5 6, comment, 7 8, allez, 9 10, ouais, 11, 12, 13, allez, 14, 15, ok. Oh, oh. Ah, mes épaules, même mes triceps, ils me font mal, mais ça c'est plus par rapport à hier. Mais je sens que je suis bien, je suis vraiment bien. Je me pose un peu et on en fait encore une. D'ailleurs, si tu veux que je te mette un petit bonhomme avec le muscle travaillé, ciblé, dessiné dessus, avec le nombre de séries, le nombre de répétitions que je fais, dis-le moi, tu vois. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les séances immersion raw et tout, mais si tu veux que j'ajoute plusieurs choses, dis-le moi dans les commentaires et si ça va faire, je le ferai. Ça fait un peu plus de temps au montage, mais au moins ça fait un truc qui nous ressemble tous, tu vois. Et c'est ce qu'il faut. Là, dernière. Faut qu'on fait ça bien. 25 kilos toujours, c'est parfait. Et puis voilà. Pour moi, c'est lourd. Hein. Pour cet exercice-là, c'est lourd. Hein. Et cette séance, j'espère rester que sur du lourd. J'espère. Comme ça, je vais faire du sale et j'aurai du mal à dormir. C'est ce qu'il faut. Allez. Dernière, on fait ça bien, on valide. Allez, 1 2 3, ouais, 4 5, 6, ouais, 7, ok, 8, 9, comment, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15. C'est moi qui décide quand je serai fatigué. C'est pas mon corps qui décide d'être fatigué, c'est moi. C'est moi qui décide. Là, je souffle un peu. Je crois qu'il y a un tirage vertical qui est disponible. Je vais aller dessus. Bon, déjà, on a retiré ça là. Tu vois, ces prises là, elles sont bien, mais pour soulever lourd, c'est pas les meilleures parce que tu es gêné, tu vois.
Donc je vais prendre des barres classiques, c'est mieux. Quand tu fais du lourd, c'est mieux. Ça, c'est bien quand tu veux faire des séries contrôlées ou tu veux faire du dégressif ou voilà. Mais pour faire du lourd, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour moi. Prendre du traditionnel, c'est beaucoup mieux. Hop, voilà. Avec ça, pour se faire plaisir. Alors, ça va jusqu'à 100 kg. On va commencer à 60. 60 kg, c'est bien. 60 kg, on va envoyer 8 ou 10 répétitions. Pour la première, 10. Plus ça va être lourd, plus on va baisser à 8. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 80 kilos. Pour l'instant, ça va. C'est léger. La tour en général, c'est là où je suis bien dans mes sens. J'ai commencé, j'ai fait du lourd. J'ai fait un exercice intermédiaire, le pullover là. Là, on repart sur du lourd. Je suis bien. Récupération. On est pas mal. J'ai un énergie gel là dans mon sac. Je vais le prendre après. Pour l'instant, j'ai pas le besoin de le prendre. Je sais que je le prends à chaque bull day, le énergie gel. C'est important. C'est un peu le complément de cette série. Parce que pour moi, c'est le meilleur complément de chez MyProtein. Clairement, pour accompagner tes séances. Et puis voilà, hein, 85 kg. Si tout se passe bien, on va taper les 100 maximum. Et puis voilà, ça nous fera un deuxième exercice très lourd. On va essayer de se faire 4 séries. Si tout se passe bien. La première à 60, je l'ai compté. Et puis voilà, là 85, après on verra. Si ça passe bien, mais c'est un peu dur, je mets 90 ou 95. Et si c'est trop facile, bah je mets les 100 direct après. Mais temps de repos, je mets un bon temps de repos. Histoire de laisser mon corps récupérer et se préparer pour la suite. Parce que c'est important. Allez, 85. 65 kilos. Ça passe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8. Oh, ouais, là je m'arrête à 8 parce que c'est dur. C'est vraiment dur. Oh. Je mets 100 kilos. Je mets 100 kilos direct parce que je sais que c'est dur. 90, 95 et 100, ça va être très dur aussi, tu vois. Donc, je mets ça. Je prépare ma ceinture. Et on va faire les deux dernières à 100. Normalement, ça va le faire. Il faut que je prenne un bon temps de repos. Et ça va le faire. Le maximum. 8 reps, ça va être dur, je le sais. Ça va être très dur. La clé, c'est de bien caler ses jambes en dessous pour perdre le moins d'énergie. Parce que la première, c'est celle qui fatigue le plus. Quand tu prends la barre et tu t'assois, vraiment. Allez. Allez, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ça fait mal. C'est vraiment mal. Bon. Encore une. Encore une lourde et on est bien. Franchement, je m'épate. Ça doit faire plusieurs mois. J'ai à peu près de créatine. Mais plus je m'entraîne bien et plus j'explose mes perfs en ce moment. C'est une dinguerie. Surtout au niveau du dos. Au niveau du dos, je commence à être très très fort, très très bon, très très endurant. Et ça annonce du bon pour la suite.
C'est-à-dire que là, si je repars sur la créatine, là, ça va être une dinguerie. Pour l'instant, je compte pas repartir sur la créatine. Je compte laisser mon corps exploser de lui-même. Parce que moi, je pars du principe où si tu es dans un bon élan de progression, sans rien, prends rien, tu vois. Si tu sens que tu arrives à tes limites dans certains exos, ça fait longtemps et tout, vas-y, prends un peu de créatine. Comme ça, tu auras un élan de force, tu auras un gros coup de boost, ça te fera du bien. Et puis voilà, mais là, pour l'instant, franchement, je me sens bien. Je me sens tranquille, je me sens à l'aise dans des exos et c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de se sentir fort, de se sentir bon surtout et de progresser, parce que c'est important. Parce que là, tu vois, là, faire des séries lourdes, c'est bon, c'est super bon. Putain, les gens, ils savent même pas ranger une barre de squat, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ici. Mais bref, plus tu soulèves lourd et plus quand tu feras ta sèche, ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien. Vraiment. Oh. On va se reposer un peu. Et terminer la dernière série à 100 kg. Normalement, 8 répétitions, ça va passer. C'était dur, hein, mais ça va passer. Ça va passer. Bon, dernière. Changer d'angle. Un peu. Super, on va dire je triche. Tranquille. Normalement, on valide ça. C'est léger. Comment ? Hé ! Mais ! Hé ! 2 3 4 5 6 7 8 J'aurais pu en faire 10. J'aurais pu en faire 10. Je sais pas pourquoi là, c'était plus facile que tout à l'heure. Bizarre. Oh. Franchement, en toute honnêteté, je pensais pas que j'allais avoir des aussi bonnes perfs. Sachant que hier, j'ai fait les pecs, j'étais un peu fatigué. Je me suis reposé toute la journée pour venir le soir à la salle. Et franchement, bah, ça fait la diff. Hein. Quand je vais au travail et quand je vais au travail et chez ma séance, ah, ça fait la diff. Clairement, là, je me sens bien. J'ai l'impression que j'ai eu une semaine de repos. C'est un délire. Du coup, là, je vais voir si je peux partir sur du tirage vertical, non, horizontal, pardon, là on a fait du vertical, horizontal, et essayer de mettre lourd. Ça va être dur, hein, mais je vais voir si je peux le faire. Sur le tirage horizontal, ils ont mis ça là, tu vois, encore ça, encore ces prises là. Le problème c'est que ici c'est nouveau ici. Sur Saint-Etienne, déjà avant ils n'avaient que des basic fit, des prises normales, là ils ont un fitness park. Ils ont commandé ça, c'est nouveau, tu vois. Mais le problème, c'est que pour soulever lourd, c'est pas adapté. Vaut mieux les bonnes prises traditionnelles. Sachant qu'ils ont la même en série, tu vois. J'aimais bien avant, mais pour soulever lourd, tu vois, t'es très vite gêné par le grip. Mais ça, c'est mieux, ça. Il n'y a rien de mieux que les prises standard. Donc là, pareil, ça va de 100 kg dans machine. Même procédé, on va commencer à 60. On va jauger pour voir si c'est bien, pour voir si on n'est pas en difficulté. Et après on va monter, hein. On va essayer de se faire 10 reps. Et puis oh, on va voir. Allez, comment. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Merci les gars. Merci, ça va et toi ? Tranquille. Tu as plus la basique ? Non, c'est bon, c'est fini. Ça va ? Tu vas bien ? Ça va ? C'est comment vous ? Bon, y a des frères m'ont encouragé, sachant que j'étais à ma première séance de chauffe. Là, je vais mettre 100 direct. Quoi. Je vais mettre 100 direct. Parce que 60, c'est bien passé, tu vois. Mettre la ceinture. Mais normalement, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Franchement,
Les gars, si je viens avec des lunettes, en fait, tu vois, ici, il y a des lunettes de Ray-Ban, des lunettes avec une caméra. Je vais vraiment venir avec et je vais vous montrer le mouvement des gens. Il y a des gens, ils font des exercices bizarres, des exos qui n'existent pas ici. C'est une dinguerie. Il faut qu'ils arrêtent. Franchement, il faut qu'ils se concentrent. Attends, je vais m'assentir maintenant, mais je vais même pas reposer. Hein. Je me repose bien et je repars. Je peux pas repartir maintenant. Petite pause, énergie gel. Je te montre bien. Énergie gel, meilleur complément de MyProtein. C'est vraiment, et pour moi, tu vois, je suis ambassadeur MyProtein, mais moi, je sponsorise ces vidéos avec ça. C'est une dinguerie. J'aime trop. Dès que je sens que, voilà, l'énergie descend un peu, je prends ça, je suis bien. Glucides, électrolytes, ça me permet de bien repartir. Et c'est surtout bien quand je sens que, tu vois, je soulève lourd, ma tête elle tourne un peu, je sens que je suis allé, voilà, je prends ça, je suis bien, je repars. On a dit le but, c'est de rentrer et on sera tellement courbaturé qu'on va mal dormir. C'est ça le but, c'est de mal dormir, c'est important. J'ai mis 100 kilos, le max. Normalement ça va le faire. Normalement ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Je vais mettre mon téléphone là, comme ça je vais bien voir. 100 kilos ça passe, normalement. Sauf que là j'ai ma ceinture, d'habitude j'ai pas ma ceinture. La ceinture ça passe. Allez. Fais ça bien. C'est rien. Comment ? Hey. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Je l'ai senti celle-ci. Je l'ai vraiment senti. Oh. Quatre séries, ça va être dur. Quatre séries, ça va être dur. Il m'en reste deux normalement. Mais je vais le faire quand même. On va assumer. D'ailleurs, avant de faire cette série, j'en profite pour dire que il y a deux écoles. Pour ce mouvement, il y a, hop, je mets 15 kilos, hein, juste pour te montrer. Il y a l'école de, je fais ma série, je reste droit, hop, et je fais ça. Et il y a mon école, enfin, la technique que je préfère, où c'est lourd, je ramène la charge avec moi, hop, et je pousse. Mais quand je ramène, hop, j'ai avec la charge. Mais essaie de garder le dos droit le plus possible, ok? Mais ça marche aussi si tu veux rester droit. Mais quand tu soulèves lourd, c'est à la fois dur de rester droit et de faire ce mouvement-là, tu vois. J'aime bien, hop, accompagner ma charge. Et quand je tire, j'ai un élan qui m'avantage. C'est mieux, ok? Allez, 100 kilos. On va envoyer. Hey. Allez. 100. Important, ce qu'on valide. Valide-moi ça. 100 kills. 100 kills. 100 kills. 100 kills. Dernière, allez. Comment ? Hey. C'est la plus dure. Une.
2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mal, mais c'est ça qui est bon. Là, mon dos, je l'ai bien fracassé. J'aurais bien voulu faire des petites tractions en plus, mais vas-y, il y a du monde dans l'espace où il y a des tractions. Et je suis obligé de faire des plans larges pour filmer en traction, donc c'est chiant. Mais vu que j'ai un peu de force et la salle elle ferme dans 40 minutes, non, 30 minutes maintenant, je vais peut-être faire les biceps. Je vois. Comme ça, on sera bien et on pourra bien se reposer. Sachant que là, on est dimanche, tu vois. Demain, lundi, on reprend le travail. On est d'après-midi, donc on pourra bien dormir. Si on arrive à dormir avec les courbatures. Mais ça va bien se passer. Je vais mettre à la poulie tranquillement et on va se tuer les bras. Et ça, c'est bien. Bon, là, on va faire un truc cool. J'ai mis 15 kilos. J'ai pas mis très lourd. On va se faire un warm-up biceps. On va se faire 10 demi-reps et 10 reps complètes. Normalement, je vais survivre à ça. Là, tu vois, là, j'estime que notre séance, elle est finie. Mais on fait un petit rappel biceps pour rigoler, ok? Et si tu fais cette séance, je t'invite à le faire aussi. Comme ça, tu rigoles aussi parce que c'est important. Barre droite. Hop. Épaule en arrière. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ça va, on est bien. Bien, mais la congestion elle est pas assez grosse. 15 kilos c'était bien, on va passer à 25 kilos 25. Je vais les sentir, je vais vraiment les sentir. Hop, et pour mon arrière, très important. 1 2 3, ouais, je les sens. 5 6 7 8, 9, 10, complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est bien. Là on est à 25, 30 kilos. 30 kilos c'est bien. Bon, 30. Ça me piquait ça. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. La force de congestionner. J'ai mal. Plus j'ai les courbatures au pec, le sens d'hier. J'ai mal partout. C'est un délire. Mais c'est bien, je suis content. Là, je me sens bien. J'essaie de faire du curl biceps en prise neutre à 30 kilos. Parce que je me sens bien. Après, on va pas se mentir, là, ça fait une semaine que je suis sous ashwagandha. Très bon complément, hein. Complément que je prends avec du mise.
ça te met ton taux maximum de testostérone. Et ça, c'est bien. Et je me sens super bien. Surtout quand je bosse pas. Quand je m'entraîne et je bosse pas, je me sens bien. Je garantis pas mes 10 reps, mais je garantis quelques reps à 30. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, 9. Je crois que c'est le build day où je suis le plus en forme. C'est incroyable. Mais je suis content, vraiment. Bon, là, je suis un dernier truc, après, je vais me barrer. Parce que la salle est en train de se vider, de se fermer. Je prends les 10 kilos et je vais faire du curl biceps en prise serrée. Tu vois. On va essayer de faire 20 répétitions tranquillement. Et ça va nous donner une très bonne congestion pour la fin. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Non, franchement, je me sens super bien. C'est incroyable. Comme j'ai dit, à des séances, on se sent bien. Des séances, on se sent moins bien. Mais le plus important, c'est de valider sa séance. C'est de valider ses séances. Valider sa semaine. Valider ses mois. Valider son année. C'est le plus important. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Ce build day. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi si c'est pas fait. Donne la force. C'est important. Et puis, à la prochaine pour le prochain bulk day.